Une cage, des athlètes gonflés à bloc et un public bouillant pour les pousser à la victoire. La première édition de Dream MMA, organisée par la Fédération ivoirienne de MMA, a tenu toutes ses promesses. Le champion camerounais Francis Ngannou a le temps d'une soirée. Apprécier la qualité des combattants dans la cage. Dans ce duel qui opposait les athlètes ivoiriens aux Camerounais, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte la victoire avec 3-2 pour le Cameroun. C'était une opportunité pour moi de être là ce soir parce que mon idole était là, Francis Ngannou. Donc déjà, c'est comme si déjà j'ai retour mes vœux en fait. Parce que là, maintenant, un domaine où j'ai combattu, j'espère que à partir de ce moment, ça va me lever les portes d'esprit et me manque un peu plus de reconnaître. Cette soirée du MMA a aussi été marquée par la présence du secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé, et de l'homme le plus fort du monde, le Burkinabé Ayron Bibi. Tous ont profité du spectacle dans une salle surchauffée. Une première édition réussie pour la Fédération ivoirienne de MMA.